Et salut tout le monde, c'est Cross, ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un petit facecam dans ce genre. Alors je vous propose tout de suite qu'on se retrouve sur Thinking with Time Machine de Portal. Enfin, de Valve en fait. Sur Steam, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une nouvelle partie, c'est parti. C'est beaucoup de parties quand même. Et donc, ça a bugué bien sûr. Non, ça marche. J'ai eu peur. Ça fait quand même la cinquième prise que je prends quand même, parce que ce jeu a peut-être bugué, donc j'ai téléchargé une version fixe. J'ai vérifié les caches, je les ai vidés, je les ai fait tout ce qu'il fallait, je sais pas, trop, je suis regardé les forums, tout ça. J'espère que ça va marcher, donc on se retrouve sur la fin de Portal 2, donc. Puisque Thinking with Time Machine est la suite de Portal 2. Donc ceux qui n'ont pas joué à Portal 2, voici la fin, donc c'est un peu un spoil pour vous. Mais bon, fallait pas regarder cette vidéo. Voilà, donc là on se retrouve sur le début de Thinking with Time Machine avec le corbeau. Et en fait voilà, je n'étais pas vraiment libre comme on a pu le deviner puisqu'ils ont fait une suite. Et donc on se retrouve donc dans cet univers, enfin dont on n'est toujours pas sorti en fait. Pour le plus grand malheur de notre demoiselle, mais pour notre plus grand bonheur. On va donc commencer ça de test. Donc comme j'ai dit, ça doit être ma cinquième ou sixième prise, je sais plus. Donc les salles de test, je les connais. Enfin, jusqu'à un certain point que je vous dirai. Hop. Et donc on va tout de suite commencer. Donc ça ira assez vite, hein, voir les premiers. Puis après, on va voir, parce que je ne connaîtrai pas le reste. Je ne connais pas la suite. Donc on verra bien quand j'aurai passé le point où ça avait bugué la dernière fois. On se retrouve sur la première salle de test donc du tutoriel. Si je peux expliquer vite fait le principe du truc, je l'expliquerai dès que j'aurai récupéré mon portal gun. Hop, là aussi. Donc voilà, on a un portail, mais on a aussi une petite tablette qui nous permet donc, comme je vous le montre tout de suite, hop, là j'ai passé encore rouge, donc je passe dans le futur, techniquement. Enfin, personnellement, je pense que c'est ça. Ça me paraît plus logique d'ailleurs. Enfin, apparemment, c'est le passé, mais. Enfin, non, c'est le futur, j'en sais rien en fait. Et lorsque j'appuie sur F, vous voyez que je retourne au temps présent et donc que elle fait. Il se passe tout ce que je viens de faire en fait. Pendant que j'étais dans le futur. Enfin, pour moi, j'ai le futur parce que ça me paraît plus logique par rapport enfin, à ce qui se passe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le futur. Utiliser la plateforme pour ouvrir la porte. Retourner dans le passé. Laisser notre double utiliser la plateforme et passer. Voilà, donc toutes les salles hein, qu'on va voir jusqu'à présent vont utiliser ce principe donc de la time machine, comme ils appellent ça. Et donc de pouvoir réussir les salles. Donc là, on se retrouve dans le futur. Dans le passé, je sais rien, on s'accroupit. On laisse le temps à notre double, enfin à notre nous en fait, de monter. On remonte. On fait monter. Enfin, voilà. On se retrouve dans le présent. Vas-y, accroupis-toi. Donc comme vous pouvez le voir aussi sur notre tablette, on voit tout ce qui se passe du point de vue de notre double. Là c'est monté, hop, et on va là. Voilà, donc là on voit, vous voyez, on voit tout ce qu'elle fait. Je pense que c'est quelque chose qui va être exploité après, qui n'est pas encore exploité dans le tutoriel. What? J'ai créé un portail? Bon bref, on se retrouve dans le futur, hop, présent. Hop, donc c'est quelque chose qui n'a pas encore été exploité, enfin, d'après ce que j'ai vu pour le moment, de pouvoir voir ce qu'elle fait. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va vite, vite exploiter. Voilà. Donc là, en fait, le truc, c'est que ça fait apparaître à la fois un cube, désactive la grille d'émancipation, mais active aussi les lasers rouges qu'on peut voir ici. Et donc, il faut mettre un cube ici et se positionner ici afin d'ouvrir la porte. Donc, ce qu'il faut faire en fait, c'est se mettre dans le futur, j'en sais rien, hop, activer ça. Faire comme si on voulait ouvrir en fait. Placer le cube. Se placer nous. Et attendre que ça se finisse. Allez, fini, voilà. Ensuite, on retourne dans le présent. Ce qui fait que notre nous futur, j'en sais rien en fait, notre double, va réeffectuer l'action et donc nous ouvrir la porte. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous pouvez le voir. Passez. Hop, et on y va. C'est parti. Mince, bon, tant pis. Hop, sur celle-là, toujours le même principe, n'est-ce pas? On va donc. Oui, donc là, c'est. Oula. Ça exploite le principe que notre nous futur et notre nous présent.
ont techniquement le même portail, même mode de portal, de portail, mais enfin le même portail gun, mais les portails restent quand même différents. Donc attendez, on va reset tout ça. Ce qui fait qu'on peut aller dans hop, future, tac, portail ici, on attend bien évidemment que tout se passe, tout ça, puis on retourne, un peu là, non, présent, portail ici, ah non mince, je coupe pas, si je peux le faire, c'est bon, non, pas là, vite, j'ai plus le temps, c'est bon, voilà, ouf. Voilà, donc c'est le principe que ça exploite. Et on arrive donc maintenant à cette salle, qui est, il me semble, la dernière du test. Voilà, ça reprend un chargement. La dernière de la... Et ça commence là, vraiment, le jeu, quoi. Puisque, de toute façon, nous perdons notre petite tablette, on peut plus retourner dans le passé. J'espère que ça va pas bugger encore. C'est bon. Ok. Donc voilà, on se retrouve dans cette salle. Vous voyez qu'on n'a plus notre petite tablette, on peut plus retourner dans le passé. Ah si, en fait, ah si, elle est là. En fait, ça, oui, c'est une salle avant. On est trompé. Donc ici, le but, c'est donc d'ouvrir ça, de prendre notre pote. On a quand même trouvé le moyen de... Parce que dans, je sais pas, sur ceux qui jouent à Portal 2, sauf que ça s'accumulait partout, du coup, il y avait partout et tout, donc pas moyen, du coup, de... Détruire et de les former en fait au lieu de les donner comme ça tout fait. Donc là, ce qu'il faut faire, oups, futur. Voilà, on s'accroupit. On attend que l'autre nous monte dessus. Hop, on remonte. Il va monter. Et on ouvre ceci pour qu'il puisse monter. Attention, vous êtes prêts? C'est parti. Allez, viens mon double. Accroupis-toi que je puisse te monter dessus. Sans vilain jeu de mots. Hop là, c'est parti. Va activer ta plateforme. Parfait. Ensuite, tac. Tac. On récupère notre cube. Pour pouvoir ouvrir la suite. On monte là-haut. Et on avance. Et on va commencer l'histoire, d'après si je me souviens bien. Voilà. Ça va encore bugger, j'imagine. Chargement. Tant que c'est le chargement qui fait bugger et qu'après ça marche, moi je m'en fous. Voilà. Voilà, et on se retrouve donc ici, on va commencer donc l'histoire. Ah, donc là on se retrouve ici avec un propulsion qui nous amène là-bas. Mais il nous faut un cube que l'on ne va pas trouver ici, bien évidemment. Parce que d'ailleurs ceux qu'on joue à Portal 2 ou même les portes. En général, j'ai l'impression que je me penche un petit peu beaucoup. Bon, ceux qui ont joué avec les portails en général, ils savent que ce genre de pièce, c'est juste un gros troll. Et ça va se réitérer. Bonjour. Voilà. Voilà, donc moi c'était là que je m'étais arrêté. Enfin, juste après, en fait, vous verrez. Que ça n'arrêtait pas de bugger, que j'ai jamais réussi à aller plus loin. Donc nous voici avec GLaDOS qui est apparemment désactivé. Et on interrompt une conversation entre Atlas et Whitley qui nous explique qu'ils vont nous faire des tests. Voilà, donc c'est pas une fille, c'est notre sujet de test. Ah, on s'amusait tellement bien. Oui, c'est sûr que toi tu t'amusais bien une fois que tu m'as poussé 6 fois dans l'eau, dans l'acide. Ouais, mais c'est un accident. Effet, je m'en fiche. Je ne veux plus jouer avec toi. Du tout, ok, mais qu'est-ce qui se passe si elle l'apprendra? Elle lui dit qu'elle s'en fout, ça ne se passera pas, puisque de toute manière Whitley l'a trop endommagé, et qu'elle s'en fiche de toute manière, et que de toute façon, si jamais il y a un problème, là voilà, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si elle apprend quand même? Elle va lui dire, dépêche-toi, on s'en fout, de toute façon j'ai un plan, pour l'instant, laissons faire le sujet de test. Et voilà, et moi je m'étais arrêté là, ça n'arrêtait pas de bugger après cette porte. Et donc là, on peut voir ce qui s'est réellement passé. Voilà, donc il n'y a aucun rapport avec Whitley, puisque Whitley de toute façon a été envoyé dans l'espace. Voilà, donc c'est bien Atlas et Peabody qui se sont occupés de GLaDOS. Donc là, c'est là que ça bugue chez moi. GLaDOS, SOS, Find Time Machine, Back to January 20 2021, 23 59, ok. Donc presque minuit quoi.
Ok, donc faut que je trouve la machine à remonter le temps. Ah, ok. Donc, faut que je retourne là-bas, est-ce qu'il y a moyen de trouver tout ici? Parce que là, c'est ouvert. Donc, il doit y avoir un cube quelque part que je peux récupérer. Et donc, il me permettra de continuer la salle et de remonter au temps. Alors qu'elle m'a dit, bon, ça, je pense que ça sera déjà fait. Est-ce que je peux monter là ou pas? Non. Alors voilà, donc là c'est moi qui m'étais arrêté, c'est là que je m'étais arrêté personnellement. Donc à partir de là, je ne sais plus ce que je dois faire précisément. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non. Ah, c'est là. Non, non, c'est pas là. Ok. Donc je vais réactiver le cube, je vais voir ce qui va se passer. Oh putain, je suis moins débile. Oh putain, les gens. Et voilà, j'ai trouvé. Et moi qui m'amusais à tout déconnecter et tout, alors qu'il suffisait. En plus, ça clignotait bien en vert, bien comme il faut. Il suffisait donc là de désactiver et là de le réactiver. Et on voit même la caméra qui ouvre la porte. Et du coup, je vais réactiver ça peut être utile. Ouais, c'est bon. Hop là, putain. Ouh, oh là là. Oh, je suis nul. Pas possible. Pas possible. Je suis mauvais. Je désactive la porte. J'ai même pas vu qu'on pouvait activer la porte. Ah là là, il y a ça aussi qui m'a perturbé là pendant un moment. J'ai cru qu'on pouvait l'activer, mais en fait non. Donc voilà, la porte est ouverte, on va pouvoir continuer les salles de test. En tout cas, j'aime beaucoup le logo de Thinking with Time Machine. J'aime beaucoup le coup faire les deux portails avec l'outil temporel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un laser de découragement, je sais pas comment on appelle ça. On a un laser, point. Ensuite, on a là un trou par lequel on ne peut pas faire de portail. La porte qui ne s'ouvre pas. Est-ce que c'était pas dessus? Non. Ah, oui, est-ce que je peux utiliser mon moi pour passer à travers le trou? Là, on va essayer ça. Mais c'est de passer à travers en s'accroupissant. Je vais me laisser quand même beaucoup de temps. Voilà, et si ça marche pas, on va essayer de passer. De toute façon, je pourrais. Hein. Bon, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas passer par-dessus ça. Voilà. Voilà. Allez. On va passer par là. Yep. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les deux cubes. Donc on a un cube qui dévie le truc et un autre cube qui le dévie aussi. Bon, on a deux cubes qui le dévient. On va passer par la prédimension. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah d'accord, donc il faut dévier les cubes. Est-ce qu'ils passent à travers ça? Ah merde, et comment je reviens surtout? Ah bah je pense que c'est pas là. Ouais. Le portail est nécessaire. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est donc activer un... Oui, mais où je fais comment? Parce qu'il faut qu'il y ait un cube qui active là. Ah oui, donc il va arriver là et j'aurais plus qu'à le balancer là. Normalement, ça va ouvrir. Allez hop, passe là ma copine. Ma copine, moi, du futur. Allez, hop.
Voilà. Donc on a un cube qu'on va diriger dans ce sens. Ouais, on va quand même attendre un petit peu quand même, peut-être. D'abord balancer l'autre. En fait, on va le mettre comme ça, regardez. Est-ce que je peux monter dessus? Oui, parfait. Ok, on a un cube qu'on va mettre comme ça. Pas se faire tuer par la grille. Hop, on va passer par-dessus. Le récupérer. Et voilà, c'est parfait tout ça. En fait, l'autre me servait juste à passer par-dessus. Bon, ça va. Ah. Bon, ça va bien, ça promet, dis donc, ce truc. Hop là, c'est parti. C'est parti, oui, je dis beaucoup, c'est parti dans mes vidéos. Je sais. Ouais. Yeah. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Si je monte là, qu'est-ce qui se passe? Si je fais là, je meurs. Si je vais là, je descends. Et j'arrive là. Ok. Si je vais là, j'ai mon site. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je vais là? What? What? C'est une grille d'émancipation, ça c'est pas une, un truc qui tue? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok, donc de toute manière. Là, on a notre cube, on va les balancer en bas, en fait, c'est facile le truc. Je sais pas. Ah, maintenant les cubes tournent, vous avez vu? Les points bleus là, enfin les logos d'aperture tournent. What? Ah merde, comment je fais ça du coup? Comment je les amène là? Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une grille d'émancipation ici. On monte. Ok, donc là la technique c'est quoi? Y a pas de bouton. Comment est-ce que je fais ça du coup? Bon, la question. Ah, attends, on a une grille là. Il ne sert à rien, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? De toute façon, on va forcément vouloir utiliser le retour dans le passé. Mais à quel moment. Ah, mais attendez, ça passe en dessous, non? Ah, c'est là! D'accord, ça c'est une vieille démonstration. Ok, bah c'est facile, enfin, faire plusieurs fois, bon, c'est facile. Hop. Voilà, ça c'est sympa, ouais, c'est une des particularités de pouvoir voir ce qu'elle fait. Oula. Prends, elle l'amène. Du coup, je pète synchro avec elle. Oh, je crois que j'allais faire tomber. Ok. Bon, c'était pas si difficile que ça finalement. Voilà. Salle suivante, s'il vous plaît. Donc là, il va nous faire un chargement à chaque salle. Je sais pas si c'est bizarre. Normalement, il y a. Une série de salles, puis après il y avait un chargement. Dès que ça change les chapitres, en fait. Enfin, de. Ouais, c'est simple. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Bizarrement, j'ai pas trop confiance. Donc là, on a une grille d'émancipation. On a des portails. Yeah. On a une autre grille. L'autre, il nous amène au même endroit, j'imagine. Là, on a rien. Sauf que là-bas, on a un récepteur de port. Et là aussi, d'ailleurs. Mais ensuite on a donc là on a une grande grille d'émancipation donc on pourra pas faire de portail là-dessus pour le moment. Là on a quelque chose qui s'active avec autre chose. Il faut aller au milieu, j'imagine que si je vais en bas je meurs. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Nous n'avons absolument rien. De l'autre côté, c'est le plus intéressant. Ah, voilà, là il y a plein de trucs. Donc là, notre grille d'émancipation, on a ça. On n'a pas de cube.
Ah, ok. Ok, j'avais pas vu le bouton. Hop là. Je n'avais pas vu le bouton. Donc, j'imagine que moi futur, accroupis-toi. Laisse-moi te monter dessus. Hop, lève-toi et puis saute. C'était 5 fois comme ça. Ok. Moi présent, monte dessus, le chat. Ouah, je fais tout bugger. Ah, j'ai trouvé. Là aussi. Ok, c'est parti. Allons chercher ce cube que je vais essayer de pas casser, ce serait dommage quand même. Hop, attention, ça allume. Donc, hop. On va me protéger parce que c'est double, hein, d'accord. Ok, on va le poser là-bas. Ah, comment je fais? Il y a un portail ici. Ah oui, non. Ah si. Ah d'accord, c'est bon, je sais. Casse-toi. Je sais, je sais. Je sais, donc. C'est. Hop, prends-le. Ne le casse pas. Mets-le de l'autre côté. On va attendre un certain temps. Oh, non, que finalement. Je dois passer de toute façon. Ah non, culture, on sait rien en fait. Un peu là, allez. Mon présent. Qu'est-ce qu'elle fait? Prends le truc, elle me l'amène. Oui, bravo. Oui, bravo. Ensuite. Ah, mais du coup, ça va être un peu plus compliqué là. Bon, je le fais passer de l'autre côté. Parce qu'il va pas réapparaître là. D'accord. On est d'accord, on est d'accord. Attends, je vais tester un truc. Salut. Je vais tester un truc. Si je fais ça. Allez, attendez. On va le mettre sur la plaque blanche ici. D'accord. Si je fais passer. Ah voilà, vous voyez, je peux user un truc ici et le réutiliser ici. Maintenant, foutre ici. Est-ce que si je fais présent, est-ce qu'elle va récupérer le bloc ou pas? Ah, vous voyez? C'est magique. Ok. Donc c'est ça qu'on va faire. Regardez, on va le mettre là pour le moment. Hop. Donc on va se mettre en passé. Se mettre là. Tu vas utiliser ça. Ici. Puis tu viens te mettre comme ça. Pendant un certain temps. Voilà. Ensuite, tu vas prendre lui et tu vas le mettre ici. En attendant que moi je parte, que j'aille de l'autre côté et que je dise présent. Génial, génial, ça marche. Ne meurt pas. Oui, parfait. Pourquoi pas le détruire? Ce serait dommage après tout ce qu'on a fait. Perfecto. Bien. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec cette chose? Est-ce qu'il faut le mettre de l'autre côté? Ah oh, ouais d'accord. Il faut le rebalancer de l'autre côté là. Merde, ça sera un peu merdant ça. Bref. Bon, eh bien c'est parti. Hop, toi tu vas te remettre là. Voilà. Donc on va faire passer. Prends, tu ne tues pas surtout. Tu peux me faire mal non plus. On va le mettre là. Que tu lâches en attendant que j'arrive. On va retourner à l'endroit de toute façon pour le récupérer. On va faire la même chose dans l'autre sens, ce qui est très emmerdant. Hop, présent. Allez, récupère-le. Voilà, parfait. Il me le passe. Merci, tu es très gentil. On va le poser là. Tac. On va faire pareil que tout à l'heure en fait. Tac. Allez. Voilà, je peux reset le truc, c'est intéressant aussi. Donc, passer. On va utiliser ici. Ouh là là, je crois que je vais le détruire là. Je suis pas sûr, donc on va quand même laisser faire. Non! Ouh, j'ai peur. Ok, donne-moi ça, toi.
Attends, on va le mettre là du coup. Donc alors, on a dû utiliser. Non, passer. Utiliser ici. On le lève bien haut. Pas le casser. Et on le met bien là-bas. Voilà. Ensuite. Hop. Là. On va aller de l'autre côté. Fait le casser, j'ai eu peur là. Hein. Alors, hop. Et puis on va aller dans le présent. Allez. Prends-le. Amène-le-moi. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Parfait. Tu es fort bien aimable. Oh là là. Oui, celle-là était particulièrement difficile. Ça a commencé, je l'ai fait tomber. Ça commence à être un peu technique. Faut réfléchir tout ça. Et maintenant, je sais que je peux utiliser des actions. Du coup, ça va être encore plus compliqué. Mais j'appréhende le moment où il faudra faire attention à la fois où elle est passée. Ok, désolé tout le monde de cette ellipse. J'ai eu un imprévu. Donc, on se retrouve juste là où je m'étais arrêté. En fait, à la salle 5. Continuons donc du passage de cube, de l'escalade de soi-même. Des portails, des plateformes activables par soi-même, des plateformes activables par cube et des lasers mortels. Donc on y va, c'est parti. Oula, disons que ça fait longtemps qu'on n'a pas croisé ces cubes. Oh, what? Je les ai tirés à partir du. Ah, c'est cool ça. Ok, je savais pas qu'on pouvait activer par. Ah, regardez. Ok, donc on va partir. Ça, c'est un truc qu'on active nous-mêmes. Mais donc de l'autre côté. Là, il y a une grille qui t'envoie en l'air qui va tout le monde se faire passer de l'autre côté. Avec lui à récupérer et à poser à un certain endroit, j'imagine. Donc, c'est parti. Active-moi ça. C'est au bout déjà. C'est au quoi? Non, c'est pas celui-là que je voulais activer, merde. Celui-là. Celui-là, c'est pas activé, de toute façon. Alors, hop, on va dans le présent. Voilà. Ok, donc on se retrouve ici. Ici, on a un truc activé qui désactive quoi? Désactive le gré d'émancipation. Ok. Sûrement s'ils avaient tué la porte, j'imagine. Non, c'est pas ça. Ok, mais du coup, comment on retourne en arrière là? Je suis pas d'accord. What? Hey, comment on fait là? Je suis bloqué? C'est un bug ou je suis vraiment bloqué là? Ah, j'ai joli le reflet sur le sol. Ouais, mais là je comprends pas là si on désactive ça. Je vais rien récupérer là-bas de toute façon. Je fais comment là? Une connerie, si on peut désactiver ça, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec. C'est qu'il y a quelque chose à faire avec. C'est fait pour passer, pouvoir tirer à travers, bien sûr. Mais pourquoi? C'est ça la question. De tout, pourquoi je pars tout en arrière, bordel? Je vais faire ça. Voilà, donc on se retrouve ici. Ça c'est joué. Ça ne fait pas ça de toute façon. C'est ça qui joue. C'est ça qui ouvre la porte. Alors comment j'active ça moi? Oh putain! Encore un bouton en l'air là. Oh, faites attention à ça putain. Envolé, c'est cool. Allez,
Voilà. What? Il y a une gravité inversée là? Pourquoi ça fait ça? Ça, j'imagine quand même que c'est ça. Ça, c'est ça. J'espère parce que je passe de l'autre côté, donc bon. Ok, on peut passer de l'autre côté. Truc à faire ici. Et je crois que j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que ça ouvre ça? Question, c'est comment est-ce que je récupère? Je crois que le cube en fait fallait le laisser. Fallait qu'il passe par là en fait. C'est ça. Je suis parti en arrière, c'est mal fait ça par contre que je puisse partir en arrière. Il faut que je recharge. Donc je pense que le cube il servait bien à Bon les gens, je crois que je vais trouver la solution, enfin que j'ai trouvé la solution.
Et je crois que je vais lever un câble. Je vous lise. Eh oui. Eh oui. Évidemment. Tout à fait. C'est tellement visible, bien sûr. Je suis sûr que c'est un truc tellement con, tellement. Je suis très déçu. Et ouvre-moi, toi. Merde. Reste là, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Oui. Voilà, c'était tellement. Voilà, je suis extrêmement déçu. Voilà, mais aussi je suis avec la version débuggée. Donc il n'y a pas. Normalement, il y a un petit signe de portail sur les murs où je peux en faire. Et je voyais pas du tout la différence entre les deux là. Et donc là, je boude. Parce que bien sûr, la réponse était évidente et tellement simple. Ah, ça me fait rager. Après, il faudra récupérer la boule. Donc. Ok, bon, bah, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et un peu, reviens là. Voilà à quoi il sert, lui. Réussi. Eh bien. Bon. Voilà. Bon, les gens, je pense qu'on va s'en arrêter là. Pour aujourd'hui. Pas pour le moment, du moins. Je ferai sûrement un deuxième épisode pour la suite de la salle 6 à une autre salle. Je vous invite donc à commenter la vidéo si vous l'avez aimé. À me proposer d'autres jeux, à me proposer des challenges aussi. Je vous rappelle que je fais des challenges. C'est une même de mes vidéos les plus vues. Donc, à me proposer tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe en tout ce que vous avez envie, de partager la vidéo, de l'aimer et d'aller voir mes autres, enfin, dire mes teams. Pour la team Zankyo et les AFAQ-bien, vous avez le choix. J'ai plein de projets en tête, que ce soit pour la team Zankyo, pour les AFAQ-bien et pour les autres trucs que vous avez. Il y a plein de trucs à faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Salut!